Leonard Percival Howell. We call him Gang. The Gang. Yeah, well, the Gang is a mystic man, you know? En 1924, il prend une chambre à New York, déclare son intention de prendre la nationalité américaine et fait venir Mira, la jeune Jamaïcaine qu'il avait épousée à Panama. C'est une époque fantastique, le jazz swing, le pouvoir noir s'organise. Le nouveau nègre veut sa place au soleil. Il y a des champions noirs, des princes noirs, des écrivains noirs, des peintres noirs. Même Macbeth est noir. And with the estate of the world, we're now on coming. The King of Kings and the Lords of Lords sit upon his throne and he rules us all. Look into the book of life and you will see that he rules us all. That he rules us all. En novembre 1932, il découvre une Jamaïque en plein chaos. Dépression, cyclone, maladie de la banane, effondrement du marché sucrier. Les réfugiés descendent des collines et ils s'entassent dans les ghettos. Les déportés aussi sont nombreux. Howell retrouve Marcus Garvey qui tente de l'enrôler dans sa campagne électorale. Mais à l'autocratie de Garvey, il préfère l'autorité spirituelle de Rastafari. So that man is a man where the government fight. Fight him very hard, and he fight them very hard. Because where we were living, we are very independent. And Howell not only said, God is black, but he made it quite clear to the people that they must have no respect for King George, who was the King of England and the King of Jamaica at the time. And he made it quite clear that the people should not honor any obligation to King George and that they should not pay taxes.